ambulance, je m'inquiétais, je pensais que c'était pour les voisins, mais je pensais qu'il s'est trompé de rue. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. On est vendredi et je n'ai toujours pas de téléphone. Donc, je me suis dit, pour m'avancer, si tout va bien, au pire des cas, si je n'ai pas reçu encore mon nouveau téléphone, eh ben, je téléchargerai toutes mes vidéos sur le téléphone de mon mari, vu qu'il sera là ce week-end, donc j'en profiterai. Donc voilà, aujourd'hui je vous retrouve un peu avec mon visage bien fatigué, bien cerné. Et là on se rend compte que le mauvais temps il joue beaucoup, parce que ça fait très longtemps, très très longtemps. En fait on a une journée de beau temps et après pendant 10 jours il pleut. Du coup on sort pas beaucoup, on reste enfermé, manque de vitamine C, tout ça. C'est dû à ça, la fatigue aussi, le manque de sommeil aussi. Je vous avouerai que je dors pas très tôt. Et je me lève très tôt. Donc voilà, aujourd'hui je regardais mes vitres et si j'ai posté ma vidéo sur le produit vraiment innovant, ce fameux chiffon microfibre qui me nettoie tout, je nettoie maintenant toutes mes vitres avec et je suis trop contente, parce que c'est quelque chose qui est plus pour moi, c'est plus une corvée en fait, c'est quelque chose qui me facilite le quotidien. Et surtout les vitres, c'est vraiment important qu'elles soient tout le temps propres et nettoyées. Et du coup maintenant je peux ranger mes rideaux convenablement, même s'il y a 2-3 traces, je prends mon chiffon et après je nettoie. Et du coup, je peux au moins ramasser, vous voyez, mes rideaux. Même si je fais ça, ça reste joli, parce que les vitres sont bien luisantes, brillantes et sans traces. Du coup, ça fait vraiment joli. Donc voilà, ça m'arrange vraiment. Franchement, je suis trop contente. Du coup, je suis toujours en train de regarder mes vitres. Même quand je sors dehors, je regarde mes vitres. Je suis trop fière de moi et tout. Je vous avoue que je ne les faisais pas tout le temps. C'est pas que je ne les faisais pas tout le temps, mais voilà, je vais les faire après. Tellement ça prend du temps que quand je vois qu'il pleut, je le ferai. Je me dis, j'attends qu'il fait un peu beau. Et là, je reprends le nettoyage de vitres en fait. On se dit, on use tellement d'énergie sur ça que quand on sait qu'il va pleuvoir pendant plusieurs jours, ça nous embête. Voilà, donc là, vraiment, c'est très facile. Franchement, n'hésitez pas, si vous avez le temps, de tester, d'acheter ces produits. Je laisse le lien du produit en barre d'infos, comme ça, vous l'avez au cas où vous avez envie de l'acheter, etc. Mais vraiment, je vous le conseille fortement. Franchement, ça va vous faciliter le quotidien. Là, maintenant, j'ai juste à mouiller un chiffon, nettoyer mes miroirs et c'est réglé. Voilà, sinon, pour la péripétie du téléphone, donc voilà, c'est... j'ai enchaîné une péripétie de dingue, c'était abusé, comment vous dire. Donc j'ai cassé mon téléphone, donc il ne s'allume plus du tout, je vais vous montrer ça. Pourtant il marche, mais comme c'est des écrans LCD, je crois que c'est des nouveaux écrans, et bien c'est foutu en fait. En plus il glisse énormément rapidement, donc il m'a vite glissé des mains. Vous voyez, j'ai encore la feuille de protection en dessous, et en fait même si on l'allume, en fait il y a de l'encre bleue qui s'est étalée dans tout l'écran. Franchement, il est trop bien ce téléphone. Si je peux vous le conseiller, il est vraiment bien. C'est juste que moi, je n'ai pas mis de protection et je l'ai fait tomber à plusieurs reprises. C'est pas la première fois. Donc, je l'ai cassé. Ensuite, j'ai commandé un téléphone. Ensuite, je suis allée voir au niveau de l'assurance, tout ça. C'était un peu compliqué. Il faut que j'attende un peu. Donc j'ai voulu commander un téléphone pour dépanner, j'ai commandé sur Cdiscount et en fait il fallait une validation, j'ai pas validé, je pensais le lendemain l'avoir et tout, j'étais toute contente et je vois dans le mail, il fallait confirmer, ça m'a fatiguée. Donc après j'arrivais plus à commander, je sais, franchement ça m'a saoulée, Cdiscount ça m'a saoulée, du coup j'ai repassé commande via l'abonnement de mon mari. Il avait le droit à un nouveau téléphone, du coup il m'a dit franchement profites-en, moi ça me va, j'ai pas besoin d'un truc de fou pour moi, pour mon téléphone. Du coup j'en ai profité, j'ai pris un nouveau téléphone, mais j'aurais dû passer en agence pour l'avoir tout de suite, mais non, ma Aziza elle adore les complications tu sais, donc elle a commandé sur internet au lieu d'aller en boutique et prendre et recevoir son téléphone tout de suite. Non, moi ce que j'ai fait, j'ai commander et maintenant je dois attendre, ça fait depuis mercredi que je commande, donc je dois attendre jusqu'à je ne sais quel jour, et en plus demain on est samedi, donc si samedi il n'est pas livré je l'aurai que lundi ou mardi. J'adore les complications, je vous l'ai dit, c'est mon dada, c'est mon quotidien, j'ai jamais rien sans j'ai jamais les choses facilement en fait, moi j'ai toujours dû galérer pour avoir un truc. Voilà, donc pour l'instant on profite avec le Lumix. Je voulais monter mes vidéos
Avec ça, avec Donc mon. voilà mon garde-manger, mon petit coin garde-manger que je vais aussi. J'ai hâte de refaire ces portes parce que elles me dégoûtent. Donc voilà mon garde-manger. Et là, j'ai vraiment fait le stock. J'ai tout pris au niveau des spaghettis, au niveau des pâtes, du riz. Mais voilà, j'étais restée dans le raisonnable, histoire de et de pas me retrouver, voilà. Voilà, sans rien, si jamais il y a des soucis, sachant que ma ville est une des villes la plus contaminée. Donc, mes boîtes de conserve, j'ai décidé de les mettre ici, en attendant, parce que j'ai une autre idée de mettre les conserves. Mais tous les plus gros, je les mettrai là, et les plus petits, je les mettrai dans un autre endroit. Ensuite, j'ai mis tout ce qui est. J'ai dû rajouter une étagère, celle qui n'était pas accrochée ici, parce qu'il me restait encore tout plein de pâtes, de riz, de purée. Et cette étagère, finalement, ça me plaît plus comment elle est. Parce qu'en fait, ça laisse un gros vide ici. Alors j'aimerais bien remettre une étagère qui traîne en haut dans la salle de bain. Du coup, je remettrai aussi une étagère ici pour remettre en fait des paniers, des bacs. Parce que je veux vraiment rester dans le thème panier en bois et en paille et bac en bois. Franchement, j'aime bien ce style. Ça change un peu et je trouve ça trop mignon. Et voilà. Donc. J'ai ce qu'il faut. Je me suis fait coin pâtisserie, mais j'aimerais bien ramener ce stock-là dans la cuisine. Tout ce qui est rayon gâteau, pâtisserie, tout ça. Tout ce qui est là. Et là, j'aimerais le ramener en fait ici aussi. Vous avez tout ce qui est sucre glace, sucre vanillé, chocolat. Comme ça, j'ai toujours ça sous la main pour pouvoir faire des gâteaux. Voilà, j'ai commandé des petites encres à dîmes pour faire les étiquettes. Enfin, j'ai commandé pour faire les étiquettes tout simplement chez Amazon. Il y a de super bons prix. Je crois que c'était 10 ou 19 euros. J'avais 4 petits rouleaux, 4 rouleaux. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que ça va me permettre de mettre toutes les étiquettes que j'ai à mettre ici. Voilà, et du coup, comme il n'y a plus de place ici, j'ai mis mes pommes de terre sur le congélateur en attendant. Franchement, j'ai carrément envie de mettre mon sèche-linge et mon lave-linge ici. J'en ai marre de descendre en bas. Mais je sais pas, ça va cacher un peu la lumière de ma fenêtre. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait bien que je mette ma machine là. J'aurai moins de difficultés. Ça m'embête de toujours descendre, monter. Et en plus, c'est plus accessible à mes chambres en fait. Après, hop, je rentre, je monte directement. Qu'est-ce que vous en pensez? J'enlèverai au pire le lavabo. Quoique le lavabo, ça rentrerait pile. Je sais pas. J'ai envie de le mettre là parce que ça m'embête de descendre et monter. On me dit souvent, ouais, t'as la cave, t'as. C'est vrai que j'ai le coin buanderie. J'ai vraiment une grande pièce buanderie, je vous la montrerai. Je voulais faire des travaux et faire vraiment une belle buanderie à l'américaine. Mais je vous avouerai que je ne suis pas sûre de rester dans cette maison. Donc voilà une petite journée avec moi, en ma compagnie. Donc le matin, après avoir pris le petit déjeuner, je commence tout de suite à faire la paperasse, entre guillemets, que je dois faire. Et heureusement, aujourd'hui, on a un peu plus de facilité. À l'époque, il fallait se déplacer. Aujourd'hui, on peut envoyer des mails et scanner nos documents. Ensuite, je vais commencer par ranger tout simplement les chambres. Et étant donné qu'on avait fait un très grand rangement le mercredi avec les enfants, il n'y avait pas énormément de choses à faire à part ranger, dépoussiérer quelques meubles et faire passer l'aspirateur. Je dis je laisse faire en effet car je laisse le robot Bacot aspirer tout l'étage du deuxième pendant que je m'occupe du rez-de-chaussée. Et la super corvée de toutes les mamans, c'est bien le linge. Donc, j'ai monté une corbeille pour déjà faire plier les linges. Car j'ai deux corbeilles en fait qui m'attendaient. Et moi, je fais coincé comme ça, je fais petit à petit pour pas me donner trop de charge de travail dans la journée. On va ranger la chambre des garçons et pareil, il n'y avait pas énormément de choses à ranger. Il y avait juste les lits, à débarrasser les lits, etc., les fers et à dépoussiérer juste le bureau et les étagères.
C'est toujours le combat avec ce lien. J'y arriverai jamais, mais à le faire aussi rapidement. Mais voilà, j'essaye au maximum de tirer les draps. Mes fils commencent à le faire plus correctement. Donc là, quand ils ont école, c'est moi qui range les lits. Bien sûr, le week-end et le mercredi, ce sont les enfants qui rangent. Ensuite, voilà leur petit coin, bureau, TV, jeux vidéo, bibliothèque. Je débarrasse juste rapidement parce que il faut que je refasse ce qu'eux font. J'ai l'impression qu'ils rangent jamais correctement. Et ensuite, je range la chambre de mes filles. Donc, à chaque fois que je monte à l'étage, j'éteins les chauffages, je ouvre les fenêtres et je commence à ranger leur lit. Et pour la salle de bain, c'est pareil, c'est mon petit ménage quotidien. Bon, voilà, j'ai terminé le ménage, même au rez-de-chaussée. Du coup, je vais faire, comme je disais, on est en pleine période, on parle que de pâtes. Bah, du coup, je vais vous proposer une recette que je vais faire à midi. Donc, c'est une recette aux légumes du soleil, avec des pâtes, du thon. Voilà, rapide. Très simple et rapide à réaliser. Donc voilà. Donc pour cette recette que j'ai totalement improvisée, je me disais toujours que j'allais faire pour une fois une recette de pâtes avec des légumes. Je me suis un peu inspirée, vous savez, des pâtes avec des légumes du soleil, etc. J'ai regardé ce que j'avais dans mon frigo et j'ai décidé de mettre certains légumes. Donc, j'ai pris un oignon, deux poivrons, mais j'ai pris que le demi-poivron rouge et demi-poivron jaune. J'ai coupé tout ça en petits morceaux. Donc, je mets en premier mes oignons. Vous pourrez rajouter, si vous avez envie, d'une gousse d'ail écrasée. Je pense que ça doit être aussi bon avec. Je laisse mijoter. Et ensuite, je vais rajouter une tomate que j'ai aussi coupée en dés. Et je laisse un peu mijoter, je ferme un peu la casserole ou la poêle plutôt. Et je vais laisser tranquillement mijoter. Par la suite, je vais rajouter mon thon et le reste des légumes, courgettes, poivrons. Et je vais épicer. Donc je vais rajouter du sel, du poivre, du curcuma, du paprika et du curry. Et si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter un demi-bouillon de bœuf ou de poulet. Et quelques gouttes de magie aussi. Et vous laissez, vous pouvez rajouter aussi de la coriandre, du persil, de la ciboulette, soit sec, soit fraîche. Vous mélangez, vous laissez quelques minutes mijoter. Vous allez rajouter de l'eau et vous allez laisser cuire tranquillement. Et voilà le résultat de mes pâtes. Donc voilà le résultat final. Je ne sais pas encore quel goût ça a. Mon fils aime bien rajouter du pesto dans ce type de mélange de pâtes. Du coup, je vais lui sortir son pesto. Et voilà, un petit repas en tête à tête avec mon grand-fils. Donc on a dégusté ma nouvelle recette de pâtes et qu'il a beaucoup aimé. Il m'a dit qu'il a vraiment aimé cette recette. Et voilà. Bon, ça y est les filles. J'ai fini et on avait fini le repas. Du coup, c'était bon. Tu as aimé? Ouais. Les pâtes de midi? Ouais. T'avais même pas besoin de pesto? Non, j'ai pas besoin. C'était bon. Sachez que c'est un plat que je n'ai jamais fait. Donc voilà. Je voulais vous montrer, regardez mes cheveux comment ils sont beaux. Je vais vous montrer. Enfin, je vous en avais déjà parlé le jour même. Je remets mon soupil correctement. Regardez les filles, les cheveux comment ils sont beaux aujourd'hui. Je vais vous montrer l'astuce pour avoir des cheveux aussi doux, aussi lisses et aussi faciles à coiffer. Attendez, je vous montre plus à la lumière. Vous n'avez pas, je pense, l'habitude, vous les voyez très épais. Je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer. C'est quelque chose de tout simple.
que j'ai acheté chez Action et que je vous en parle d'ailleurs souvent. Dont je vous parle souvent. Alors, c'est tout simplement ce masque de la marque Fructis que vous pouvez trouver facilement au rayon shampoing. En fait, il a deux steps, le step 1 et le step 2. Le step 1, il y a de la noix de coco. Le step 2, c'est un soin à mettre pendant 3 minutes. C'est deux masques à mettre en fait. Et il a un effet lissage brésilien pour ma part. C'est tout ce que je peux dire. Alors, produit qu'il y a dedans, je pense qu'il y a pas mal de produits chimiques. Mais je vous avoue que quand je vois que mes cheveux, c'est juste pas possible au niveau de la coiffure et tout, je le prends. Et en fait, ça dure au moins... J'avais la traduction, elle y est plus. Mais sachez que ça tient... C'est un masque que vous mettez et que vous remettez plus pendant 6 semaines en fait. Ça va tenir vos cheveux comme un lissage brésilien en fait. Donc voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas, il coûte 99 centimes. Mais c'est magique, c'est vraiment magique. Bon les filles, ça y est, on est en zone, en phase 3 chez nous. Donc j'habite dans le Haut-Rhin pour celles qui le savent. Celles qui le connaissent, qui me connaissent un peu plus savent. Quelle ville? De toute façon, c'est celle qu'on en parle tout le temps. J'ai reçu plein de messages des filles qui me disaient « Prends soin de toi, protège-toi, etc. » Donc, je vous fais de gros bisous à celles qui m'ont envoyé des messages. Et ça y est, ils ont fermé toutes les écoles. Ils vont fermer à partir de demain toutes les écoles, toutes les crèches. Mes enfants n'ont pas cours arabe. J'ai reçu le message de l'école arabe. Plus de rassemblements à partir de plus de 50 personnes. Donc voilà, c'est fait, on arrive à vraiment au grand stade. Et comme je vous ai dit sur Snapchat, heureusement que j'avais fait mes cours juste hier. Il manque juste 2-3 choses que je vais aller faire tout à l'heure. Je vais partir, je pense, là, dans quelques minutes. Je vais juste à la market du coin. Donc c'est surtout à market et à Aldi. Il me manque des tomates pelées, des sauces, du maïs. Toutes ces petites choses-là que je peux encore acheter et qui pourront nous aider au quotidien. La viande, je laisse mon mari acheter. Et voilà, je pense, est-ce que ça vous intéresserait? On est quand même passé à 577 cas en France, dont 2 nouveaux décès. Et ça, c'est un truc de fou, parce qu'il n'y a même pas longtemps, on était à 100 cas. Donc voilà, on est vraiment touché en France. C'est un virus qui va très vite, c'est un virus de la grippe. Je sais qu'il n'y a rien à s'inquiéter, mais on devrait s'inquiéter pour nos personnes âgées. Et voilà, c'est déprimant. Je jure, c'est déprimant. Donc voilà, moi j'ai juste peur de passer en confinement, que je n'ai plus rien à la maison. Et en plus, avec toutes les personnes qui achètent tout et qui ne restent plus rien, donc voilà. Donc je me suis préparée, ça fait du bien un peu au moral, tout ça. Avec tout voilà, ça, comme je vous dis, je suis plus tenue de chez Chine. J'aime bien leur tenue. Donc bientôt, j'ai des tenues à vous montrer. Tout est là-bas, tout ce qui est partenariat. Je l'ai mis dans un coin ici et dans ma chambre pour pouvoir terminer. Parce que forcément, j'ai perdu une semaine de vidéos, dont des partenariats. Et c'est pas cool pour ça. Donc voilà, je vais aller me chercher des chaussettes. Bref. 100 000 cas franchis dans le monde, c'est un truc de... Bref, je vais arrêter de regarder la télé. Vraiment, je vais arrêter. Et on se tient, je vous emmène avec moi, je vais montrer ce que j'ai fait comme course, etc. Du coup, je suis sortie, je vais chercher d'abord mes enfants parce que je suis juste au niveau des heures. Il me reste 10 minutes pour les chercher, donc magasin, c'est même pas pour... Pour maintenant, pour celles qui me demandent au niveau à propos de mon chat, en tout cas vous êtes adorables, merci beaucoup pour tous vos messages. Et bien figurez-vous que 2 jours après vous avoir parlé de l'histoire de mon chat, il est revenu. Par contre, il est revenu avec plein de tics. J'essaie de l'attraper parce que j'ai pas envie de les enlever, j'ai envie de l'emmener chez le vétérinaire qui lui enlève. Et regardez, en fait il part, il ne laisse pas l'approcher, je sais pas, il a dû se perdre dans une forêt ou dans un endroit très loin et il va chez le voisin en fait. Il va en ce moment chez le voisin, je ne sais pas s'il le fait rentrer ou pas, mais il vient plus chez moi. J'ai zoomé à peu près pour que vous voyez, ben voilà, il est là. Donc je l'ai appelé là, il m'a mis un vent, donc je ne sais pas ce qu'il lui... Je sais pas, il doit bien le traiter ou... Mais il va chez lui. Donc voilà. Donc tout à l'heure, je vais essayer de le faire rentrer, parce que ça fait 3 fois que j'essaye de le faire rentrer.
d'aller chez mamie et de parler avec mamie, d'aller chez elle et tout. Pourquoi ? Mais parce que... Tu filmes ? Non, je vous regarde. Ça veut dire qu'on peut pas parler, ça veut dire qu'on pourra plus la voir. Mmh. Ah, c'est nul, c'est quoi ? Pendant trois... Je reviens des courses. Mon mari me fait trop rire. Il a les symptômes du corona. Je vous en dirai plus dans la journée. Bref, je suis revenue. J'ai fait juste des courses de produits frais. Donc, comme je vous ai dit, c'est pas tant pour la pénurie, mais c'est la pénurie, le corona, on va dire. Mais j'avais plus rien au frigo au niveau des fruits et légumes. Je vais vous montrer un peu. Donc voilà, j'ai acheté du poivron. Ça, il m'en fallait. J'ai acheté, en fait, là-bas, il y avait un genre de gel hydroalcoolique en spray. Et ça vient de Turquie. Et la caissière, elle en avait pris une tonne. Et une autre fille avait pris tout plein. Et du coup, j'en ai pris. Et en plus, il y a un parfum. Donc là, il y a du thym. Là, il y a l'orange. Et je crois, il y a la menthe. Il y en a un qui est dans la voiture, qui est dans mon sac. J'ai acheté des pommes. Ouais, des pommes. J'ai acheté ça, ça vous rappelle rien. Je fais un big up à Lily si tu regardes cette vidéo et que tu tombes à ce moment-là. Ça va te rappeler énormément de souvenirs, mais un truc de dingue. On a passé tous nos midis à manger ça au lycée, c'était un truc de fou. J'ai acheté de la viande, comme ça on adore au petit déjeuner quand on fait le brunch déposer cette viande-là. C'est des tranches de dinde et elles sont pas chères franchement. J'ai pris ça, je connais pas. Du coup je me suis dit au pire des cas je le fais ce soir comme il reste encore pas mal de pâtes pour les enfants. Et je les mets dans le grill que j'ai, je les fais cuire dans le grill. Donc ça doit être bon. J'ai pris une citrouille, j'ai envie de faire un couscous en ce moment, j'arrête pas d'en faire. J'ai pris du concombre, j'ai pris de la courgette verte claire, du persil, de la courgette. J'ai pris du paprika, c'est comme ceci, c'est une genre de purée de paprika. Et en fait, vous rajoutez ça dans la sauce tomate, c'est trop trop bon. J'ai acheté des tortillas, c'est des choses qu'on fait assez souvent. Donc, pois chiches, il n'en reste plus. Et des lingots. Et ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc je pense que je vais faire une recette ce week-end. Et voilà, le spray il est là à la menthe. Donc voilà, ils seront pratiques quand on va sortir en famille. Il y avait des fraises qui étaient en promotion. Du coup, je les ai achetées. Donc, avec les produits frais, comme vous savez, on est la ville la plus à risque. Et vous savez qu'il y avait du monde en magasin, etc. Je vais tout mettre à laver. Je vais tout organiser, tout mettre à laver dans mon frigo. Parce que mon but, c'est pas de contaminer aussi mon frigo. Du coup. J'ai pris des courgettes vertes foncées, enfin j'ai pris pas mal de choses. Voilà, des navets, des oignons rouges, un grand sac de pommes de terre et pas mal de carottes. Voilà, donc maintenant, et j'ai acheté ça, ça c'est trop trop bien, des petites fleurettes de brocoli. Et ça j'aime trop dans les gratins, quand vous mettez ça dans des gratins c'est trop bon, ou dans des quiches aussi, ça peut être pas mal. Ou sinon dans des pâtes, vous savez, à la crème fraîche. Avec des morceaux de dinde ou de blanc de dinde ou de blanc de poulet, ça doit être trop trop bon. Et ça coûtait pas très cher non plus. Voilà, je vais me poser un peu. Donc voilà, comme vous savez, chez nous, c'est la ville qui est le plus touchée au niveau du virus, du corona. Et je me suis dit que, étant donné que je suis partie chercher des légumes vraiment en vrac et il y avait énormément de monde, d'habitude, je laisse toujours un petit peu, genre une journée. Après, je prépare et je lave mes légumes petit à petit, même les légumes, je les lavais au fur et à mesure. Mais cette fois-ci, je me suis dit, je vais tout nettoyer tout de suite. Pour être tranquille et surtout pour avoir l'esprit tranquille. On devient vite parano avec cette histoire de virus. Et du coup, on commence à revoir notre hygiène et nos habitudes de vie. Du coup, je me suis dit, je me suis partie dans ma lancée, j'ai nettoyé. Par la suite, je me suis dit, du coup, je vais déjà les préparer, certains de mes légumes. Je vais déjà tout couper, etc. Comme nos mamans faisaient à l'ancienne.
Et comme il y a beaucoup de vidéos ces derniers temps sur le meal prep, sur la préparation, vous pouvez préparer vos légumes en avance pour vous faciliter en fait le quotidien et pour que vous n'ayez pas à perdre du temps dans la semaine à couper vos légumes. En fait, ce que vous pouvez faire aussi, et ce que je n'ai pas fait, c'est par exemple hacher vos oignons en avance, hacher votre ail, les mettre dans des bocaux et les ranger au frigo ou dans le congélateur. Ça vous facilitera aussi au niveau de vos repas. Donc là, ce que je vais faire, je vais hacher une partie de ma coriandre et persil plat. Et le reste, je vais les laisser dans des tasses. Vous pouvez les mettre aussi dans des genres de bocaux et les garder au réfrigérateur. Ça vous laisse du persil et de la coriandre très fraîche sans qu'elle fane, sans qu'elle pourrisse dans votre frigo. Et ensuite, je vais préparer tout ce qui est poivrons, champignons, courgettes. Je vais tout laver en fait. Je vais vraiment tout laver. Ceux que j'ai l'habitude de couper d'une façon pour tous mes plats, je les coupe déjà. Je les mets dans des tupperwares et le reste, je les laisse en entier tranquillement dans un tupperware, un très grand tupperware, spécialement pour ça. Et voilà, je lave les fruits, les légumes, j'ai lavé mes bananes, j'ai vraiment tout lavé, j'ai rangé. Vraiment, j'étais à fond. Du coup, je me suis vraiment dit autant qu'à faire, faire tout ce rangement. Et ça a changé complètement l'organisation de mon frigo. Donc c'est des choses vraiment intéressantes à faire, à voir aussi sur certaines vidéos, c'est super intéressant. Et étant donné qu'il y avait des promos sur ces fraises, il fallait aussi les sortir parce qu'en général on trouve toujours une ou deux qui est moisie ou pourrie et qui risque de contaminer les autres. On va parler de contamination longtemps. Et du coup je les ai déjà préparées. Donc voilà, un peu d'organisation ce jour-là. C'est vraiment bien quand on revient du marché ou d'un style de market où il y a tous les fruits et légumes. Si on pourrait faire ça tout le temps, ça serait bien, mais ça prend quand même pas mal de temps. Ça m'a pris au moins plus d'une heure et demie à préparer, ranger tout ce qu'il y avait à faire. J'ai acheté aussi deux petits concombres que j'ai coupés tout de suite. Ça va me faciliter au quotidien, surtout pour mes salades. J'adore les concombres dans les salades ou dans les sandwichs, par exemple, si vous les faites pour vos enfants. C'est super bon et mes enfants adorent les manger comme ça. Donc, on peut aussi les poser dans une assiette en rondelles. Ça, c'est plutôt quelque chose qu'ils aiment manger, croquer, etc. Et pour une meilleure organisation, j'utilise Madimo pour noter tout ce qu'il y a dans vos tupperwares. Même si nous, on sait ce qu'il y a dedans. Dans la famille, vous auriez toujours quelqu'un qui va essayer d'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Et bien sûr, ça va perdre toute leur fraîcheur. Et voilà, j'ai terminé et j'ai même rangé ma cuisine. Et là, je vous disais les viandes que j'avais achetées au magasin. Donc, je pense que j'aurais pas besoin de trop salir ma cuisine parce que là, j'ai renettoyé à nouveau. Et je vais vous montrer le frigo du coup. Et voilà. Voilà, du coup, l'organisation. En fait, j'avais acheté en trop des boîtes comme ça. Et je trouve que c'est pas mal, vous savez, si vous n'avez pas besoin de trop couper les légumes. J'ai pas préparé ces légumes parce que j'ai plusieurs façons de couper. Si je les coupe en rondelles, voilà. À moins de faire une boîte en rondelles, une boîte en... Vous savez, en couper en longueur. Mais voilà, j'avais de toute façon pas assez de place. Donc là-dedans, il y a les courgettes, les carottes, les navets... j'avais ça encore, donc du coup ça m'a rappelé que je voulais faire un riz indien et une pomme de terre douce. En bas j'ai remis tout ce qui était viande, j'ai mis du coup tout ce qui était vache qui rit dans une petite boîte comme ça aussi. J'ai mis le reste de la coriandre et le persil que j'ai haché, je l'ai congelé. Du coup, je me suis mis tout ça avec des champignons. La plus grosse boîte, je congèle toujours un morceau de champignons. Donc voilà comment j'organise un peu. Tout à l'heure, en fait, je voulais mettre mes viandes comme ça, comme je fais d'habitude. Je les mets dans ce panier. Dedans, je mets tout ce qui est viande hachée. Comme je vous avais montré quand je venais d'avoir mon réfrigérateur. Bref, et du coup, pour garder ma coriandre fraîche, je le mets dans des verres comme ceci. Je les ai lavés, coupés, et j'ai mis la coriandre et le persil.
Voilà, j'ai laissé une moitié parce que j'aime bien en avoir des fraîches. Ici, j'ai mis tous les poivrons que j'ai coupés en rondelles. J'ai mis la menthe. D'habitude, la menthe, je la mets dans du papier. Je mets du papier essuie-tout dedans pour qu'elle soit mieux conservée. Mais j'en avais plus. On peut faire ça avec le persil aussi, la coriandre. J'ai coupé par contre les concombres. Je peux très bien les couper en rondelles parce que au pire des cas, je les coupe en dés, donc ça va encore. J'ai mis du reste du poireau qu'il y avait dans mon frigo. Je les ai coupés directement comme ça, c'était réglé. J'ai mis le reste de champignons, les fruits qui me restaient. Et là, j'ai mis quoi ? J'ai mis des kiwis aussi qui me restaient. Donc je ferai un petit mélange pour le matin avec les fraises. Alors j'ai fait tomber une boîte, ça se voit. Avec les fraises et de la banane, je leur ferai des petits mélanges pour le matin vitaminés. Voilà, après j'ai coupé un demi citron pour, vous savez, pour l'odeur. Et je trouve que c'est aussi antiseptique, donc du coup voilà. Et j'ai remis ce qui restait dans mon frigo. Donc voilà, c'est mieux rangé, c'est plus épuré. En plus de ça, on voit mieux ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Et ça nous permet de tout de suite choisir ce qu'il faut. Et ce qui est mis en avant, c'est toujours les fruits, les légumes. Et je trouve ça plutôt sympa. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Et voilà, cette vidéo se termine sur ces images. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez apprécié me suivre toute la journée et d'avoir passé la journée avec moi, même si j'ai filmé par petits fragments. Donc n'hésitez pas à vraiment tester la recette de pâtes que j'ai faite parce qu'ils ont tous adoré. Enfants, même mon mari, il a kiffé quand il est rentré, il les a tout de suite mangés. Donc franchement, c'était la première fois pour moi et du coup... Je voulais tester ce que ça donnait. C'est vraiment l'épice, c'est vraiment la saveur des légumes qui ressort le plus. Et l'huile d'olive aussi, parce que j'ai rajouté un petit filet d'huile d'olive durant la cuisson des légumes. Et quelques gouttes de magie, donc voilà. J'avoue en même temps de réchauffer les pâtes, parce qu'ils veulent tous à nouveau en manger. Et je pense que le poivron donne vraiment du goût. Donc voilà, donc nous ça va être voilà, une période assez spécial avec toute cette histoire de coronavirus. En plus, je suis dans la ville qui est le plus touchée, donc voilà, c'est assez spécial. Je vais en magasin, tout le monde est à l'affût des courses, etc. Donc je crois que ce corona, il va juste nous faire grossir. Voilà, il faut pas trop s'inquiéter, pas trop stresser, je pense, et surtout rester le plus souvent possible, je pense à la maison. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout que ça fait longtemps que je n'ai pas filmé, j'espère que je n'ai pas fait n'importe quoi. Je vous dis à bientôt et bien sûr à très très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao !